Salut Jean-Mel, c'est à toi que je veux m'adresser ce soir. C'est à toi que je veux m'introduire par le truchement de cette caméra. C'est peut-être que tu me vois rigolote et joviale. C'est une mascarade parce qu'en face de toi, tu as une femme blessée, une femme à qui tu as donné rendez-vous dans ton chalet, à la montagne, de la neige, mais tu n'es pas là. Mais tu n'es pas là, j'en pense. Jean-Mel, je m'étais préparé ce week-end pour un week-end en tout et cointé. J'avais tout préparé pour toi. J'avais fait l'épilation en ticket de TGV. J'avais appliqué cette crème que tu aimais tant, la crème aux extraits d'actes de naissance. Et j'avais tiré mon épingle du jeu pour être vraiment au top. Mais toi, tu me fais le lapin. Tu me fais le lapin car tu as préféré passer ta soirée avec Michel Drancaire, qui, entre parenthèses, je le connais très bien pour des raisons intramuros. Parce que tout le monde connaît Michel Drancaire, Monsieur Propre. Mais moi, j'ai connu Mémé la Fanfreluche, hein, et je peux te dire qu'avec lui, au bal masqué, oh oui, oh oui. Alors, s'il te plaît, Jean-Mel, n'utilise pas le postillonné par la poudre aux yeux. Tout ça, c'est des sunlights, des tropiques, tout ça. Tu sais, il faut que tu oublies, c'est de la paillette dans les yeux. Rejoins-moi, Jean-Mel, à la mentale, dans ton chalet, en tête à tête.